De retour sur Radio Sensation Normandie, merci de nous rester fidèles. Vous avez rendez-vous avec le MAG 10 minutes pour tout savoir, tout connaître sur ce qui vous intéresse et vous interpelle sur le monde associatif en général, sur Bernay et ses alentours. Terroir, territoire, culture et patrimoine, on va essayer de mettre tout cela dans un même pot commun, un joli pot de fleurs et pourquoi pas, puisque nous allons directement nous intéresser aux légumes et aux potagers. Avec une belle association qui est du reste bien réputée sur la région. Mille et un Légumes, que nous recevons avec beaucoup de plaisir, c'est Frédéric Lamblin, son directeur, qui nous fait l'honneur donc de venir nous voir pour nous parler de ses activités 2017. Le potager de Beauménil, pour être beaucoup plus précis. mille et un Légumes, donc. Euh... Frédéric, bonjour. Bonjour. L'association un Légumes, le nom était euh, évident. Pour... À la création, pour revenir justement au départ de, de cette histoire Oui, alors le nom était évident, bon, c'est un peu creusé la tête, mais c'est vrai que le... ça fait dix ans qu'on existe et quand on a créé l'association, L'idée était à la fois de faire un petit clin d'œil avec une expression connue, quoi les mille et une, euh, voilà, compte des mille et une nuits, etc. Et puis de montrer à travers ce chiffre la grande diversité des, des, des espèces potagères. Alors il y a dix ans, est-ce que c'était évident de créer une association justement qui tourne autour de la vie euh, euh, des potagers, des plantes, etc. Est-ce qu'on vous a regardé un peu bizarrement à l'époque? Alors, effectivement, euh, au départ, ça a été un petit peu compliqué de convaincre, notamment de convaincre sur le fait que ça pouvait, en milieu rural, parce que nous sommes basés donc à ménil en ouche à Beauménil, d'imaginer avoir un lieu, un potager qui se visite, où des personnes payent pour visiter, voir des légumes, ça paraissait un peu saugrenu. Bon, voilà, force est de constater qu'après dix ans, euh, ça marche quand même. Donc ça s'est euh, étendu Combien de, combien de surfaces vous employez justement pour ce grand potager Alors, donc on a plusieurs activités. Donc en tout, on a un peu plus de 6 hectares. Sur un hectare, on fait ce potager conservatoire qui se visite et là où on, on multiplie les anciennes variétés de semences. Et après, on a 5 hectares où on produit des légumes en maraîchage biologique qu'on commercialise sous forme de paniers hebdomadaires. On est une, une AMAP. Hein, D'accord. Euh, voilà. Vous avez une activité euh, ruche ou pas Exactement. Alors, ce n'est pas directement nous qui nous en occupons, mais nous accueillons le syndicat des apiculteurs de l'heure, qui a un rucher-école euh, au potager de Beauménil, c'est-à-dire un lieu où des personnes qui veulent se lancer dans l'apiculture peuvent venir se former, euh, accompagnées par les animateurs du syndicat. Et des... Comment elles vont actuellement nos copines abeilles Est-ce que est, ça s'améliore un peu ou pas On avait plus ou moins eu craint d'une disparition soudaine de nos butineuses Alors, il y a. Y, ça... Ça dépend des années. C'est vrai que l'année dernière, donc en 2016, ça a été un peu compliqué, mais pas que pour des questions de, de produits phytosanitaires, etc., mais pour des questions bassement matérielles, on va dire, de, de météo. C'est-à-dire qu'au mois de juin, euh, juillet, enfin surtout mois de juin, elle était très pluvieux. C'est normalement le moment où elles sortent beaucoup. Et mmh. là, il y avait très peu de floraison et elles ne pouvaient pas sortir. Globalement. Les abeilles au potager de Beauménil, les, les, les essaims arrivent à, à se maintenir, mais c'est vrai que c'est compliqué. Mmh. Le cœur de l'activité, alors, c'est ce fameux jardin conservatoire, comme, comme vous le dites. C'est pas un musée, hein. c'est un jardin qui pourrait être apparenté à un jardin vivant qui évolue au gré des saisons et qu'on peut venir observer euh, et s'apercevoir que ça bouge, que les plantes sont différentes, qu'il y a les insectes, etc. Alors effectivement, c'est certainement pas un musée, même si j'ai rien contre les musées. Mais là, en, en l'occurrence, l'idée est vraiment, comme vous le dites, c'est un, à la limite, un musée vivant, c'est-à-dire selon la date où les personnes en est ouvert de, de mi-mai jusqu'à début octobre. Évidemment. Euh, on ne voit pas les mêmes choses selon le mois où on vient. Quand on vient au mois de mai, eh bien, on peut voir toute la grande diversité, par exemple, des pois, des, des chicorées, des laitues. Euh, si on veut voir nos 157 variétés de tomates, par exemple, il vaut mieux attendre euh, juillet, juillet-août. Alors les légumes, c'est pas des, dans l'esprit un peu populaire, c'est pas que des légumes divers en fait, il y a les, les légumes, ceux, on les plante et on, on peut en récolter toute l'année. Alors voilà, tout à fait. Donc là, ça, ça fait partie aussi des objectifs de notre association. C'est des légumes normands de, du territoire nor, ex-Normand. On n'aura ah pas non. de poireaux, par exemple, ni de choux-fleurs, ni de... Ah si, si, si. si. si, si, si. Mais par contre, euh, effectivement, nous, euh, on ne cultive pas que, on, même si on en a beaucoup, on ne cultive pas que des variétés qui sont issues de Normandie. Par contre, on ne cultive que des variétés qui sont adaptées au climat de la Normandie, moyennant le respect de la saisonnalité. C'est vrai qu'on ne va pas chauffer des serres pour avoir des tomates au mois de février. Okay. On, on reste mais on peut quand même en Normandie produire des tomates. Donc, une activité euh, ludique au plus proche de la Terre. Euh, Est-ce que ça intéresse euh, le citoyen lambda alors ça peut l'intéresser à travers plusieurs actions qu'on peut organiser, par exemple à la fin du mois, donc le 25 mars redémarre les ateliers jardinage pour les adultes, donc là c'est destiné aux gens qui habitent dans la région qui veulent, euh, moyennant une participation modique de 5 euros pour pour l'année, qui veulent venir s'initier à apprendre à, à, à gérer un potager donc là il y a à la fois des personnes confirmées, des personnes qui démarrent c'est basé sur un en convivial d'échange euh, voilà. On fait aussi des activités pour les enfants, donc là de découverte de l'environnement au sens large, pas, pas que les légumes, mais effectivement tout ce qui est autour euh, au niveau des insectes, de la mare, etc. Okay. Donc, moi en fait, qui suis un peu euh, euh, pas très doué en fait au niveau de, 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 du jardinage, je peux passer mon permis de jardinage en venant vous voir. J'ai un, un, un petit bout de terrain, on est au mois de mars, et vous me dites, voilà, c'est ce qu'il faut planter pour ensuite avoir donc une belle récolte. Voilà, alors on ne délivre pas de permis, parce que même, euh, même les jardiniers, bah, comme c'est comme mon cas, qui ont plusieurs années d'expérience derrière eux, on en apprend encore, et c'est ça la magie ouais. du jardinage, on en apprend encore tous les jours. Mais par contre, on pourra vous donner effectivement des conseils et échanger des graines. Euh, voilà. voilà, je pourrais pas planter des fraises au mois de mars, par exemple. Euh, bah, planter des pieds éventuellement, mais en récolter euh, des ouais. fraises, non, il <laughs> faudra, faudra être un peu patient. Le jardinage, c'est ça aussi qui est intéressant dans notre société actuelle, c'est une école de la patience. Yes, ok. Euh, vous travaillez donc avec les, les jeunes, les enfants euh, maternels, scolaires de quel niveau à peu près Alors, on va vraiment de la petite section de maternelle. Déplacer, juste... hein, c'est ça. Alors, soit on se déplace quand on est hors saison, euh, donc euh, voilà, soit on accueille quand on est en saison. Et en termes de niveau, ça va vraiment donc de la petite section de maternelle au BTS agricole. D'accord. Et vous faites partie euh, de cette grande organisation phénomène qu'on appelle l'étape, les, 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 les temps périscolaires. Alors effectivement, on intervient dans le cadre des temps périscolaires sur le, la commune de ménil en nouche hein, dans les trois, les trois pôles scolaires, à Beauménil, Landepeureuse et, et La Barre-en-Nouche. Ok, donc atelier jardinage et aussi euh, lorsqu'on a ses légumes et... On a le loisir de, de les avoir euh, récoltés, etc. On peut vous les amener pour faire de la soupe ou pas ah, Nous les amener pour faire de la soupe. Euh, non, on va plutôt vous donner par contre des la recettes pour cuisine, que vous puissiez voilà. vous, ouais. vous faire de, de, de la soupe chez vous. Alors on anime effectivement aussi des ateliers cuisine euh, une fois à peu près tous, tous les 15 jours. Donc là c'est un cycle. Hein, donc les gens s'inscrivent en début d'année et apprennent parce que c'est bien beau de dire qu'il faut manger des légumes, qu'il faut en cultiver, mm -hmm. mais parfois on manque un peu d'idées sur bah comment les accommoder, notamment pour les faire apprécier des enfants. D'accord, donc c'est miller un légume, mais est-ce qu'on fait quand même une entorse un peu à, à l'appellation Est-ce qu'il y a quelques fruits ou pas Alors nous avons, oui, planté, mais il commence à peine à donner. Nous avons planté un verger conservatoire à côté du, du potager, donc où on a une soixantaine de pommiers poiriers hautes tiges à couteau. D'accord. Voilà, donc euh, pour l'instant, ça commence. C'est la météo aussi, un pro... il y a un problème de météo ou pas du tout, non Alors bah là encore, ça dépend des années. Ouais. Normalement, euh, normalement, la pomme fait partie, pommes et poire euh, font partie des, des fruits euh, qui s'acclimatent bien en Normandie. Alors vous avez aussi donc, la, la, la culture, mais la culture au sens large et philosophique du terme. Est-ce qu'on peut. Euh... Philosopher Autour des légumes, je vois que vous avez des séances de papotage au potager. Qu'est-ce qu'on y fait justement dans ces séances-là Alors, effectivement, on organise vraiment deux grands temps forts. Un, au le, le démarrage de la saison cette année, ce sera le 14 mai. On a la chance d'accueillir les hortifolies, une grande, anima une grande une animation nationale qui vient au potager pour, pour une année. Donc, là, ben, ce sera l'occasion de, de pouvoir avoir des, des conseils sur le jardinage. Donc, c'est des conférences, des échanges. Et puis bien sûr, il y a notre rendez-vous maintenant traditionnel, ça sera la dixième édition du, du Festival des Milléens-Légumes, toujours le dernier week-end de septembre, donc le 23-24 septembre. Donc l'événement qui se passe pour celui d'avant, donc après les saints de glace, ça existe encore, c'est malgré les climatique climatiques. Euh... Tout à fait, les saints de glace. Alors effectivement, il peut y avoir parfois des, des, des décalages en amont ou en aval, mais les saints de glace, c'est... C'est la période courte C'est trois jours du 11, 12, 13 mai, à partir desquels... À issus desquels on considère que normalement il n'y a plus de risque de gelée. Okay. Sauf qu'effectivement, nous ça nous est déjà arrivé, il y a 3 4 ans d'avoir une petite ce qu'on appelle une gelée blanche arrivée au 17 18 mai et donc là pour tous ceux qui ont replanté leurs tomates euh, ou leurs cucurbitacées, mm -hmm. ben là il y a un risque de les perdre. Frédéric, merci, le temps qui nous a été donné vient de nous être repris. On peut vous trouver où et vous contacter comment Alors, on peut nous contacter grâce à notre site internet donc www.1001legumes écrit en chiffre 1001 légumes sans accent avec un s.com. Et aussi, bien sûr, nous avons une page Facebook. Vous tapez potager de Beauménil et vous pourrez suivre ainsi toute notre actualité. D'accord. 25 mars hein, pour le prochain rendez-vous Tout à fait. Pour l'atelier jardinage avec inscription au préalable. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. On espère vous revoir très très vite chez nous. Merci à vous. Au revoir.